Difficile d'accès pendant les saisons des pluies, l'avenue principale menant à la maison communautaire de la jeunesse de Tchambandassi est en plein travaux. Le préfet Alexandre Honoré Paca et sa suite ont visité ce chantier pour avoir une idée de l'avancement des travaux. Le chef de chantier indique les aspects techniques. Le travail, c'est pour trois mois. La distance, nous avons 200 mètres. Nous allons placer les pavés et le bordure pour donner la beauté jusqu'à là. Bon, nous avons étudié concernant le terrain. Le terrain, c'est un peu marécagé. Ici, il y avait des mares d'eau ici. Donc, on a préféré poser des chaussées sur l'autre dos et les pavés vont fixer jusqu'aux chaussées. Quand il y aura des pluies et ça va couler directement, ça tombe sur là où il y a des mares d'eau. On n'a pas besoin des caniveaux pour faire évacuer. Le préfet du département de Pointe-aux-Noires se dit réjoui de l'avancement de ces travaux. Pour le district de Tchambandassi, ce tronçon a été retenu pour être pavé, comme vous le voyez là, de la chaussée là-bas à 200 mètres d'ici. Donc, nous avons la mission, comme je venais de le dire, aux autorités locales, de veiller à l'exécution de ces travaux. Et nous sommes venus pour ça, pour voir réellement qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Notons que la communauté urbaine de Tchambandassi fait partie du département de Pointe-aux-Noires.